Bon, bienvenue dans ce nouveau vlog, vous l'aurez deviné, je suis en pleine préparation. On va aller shooter dehors pour faire des plans de plein-pied et puis avec avec une petite ambiance qui change de la maison forcément. J'attendais qu'Eric ait fini, il était en train de bosser même s'il est en vacances. Et il va m'aider, je pense, là, pour ce genre de truc, je vais peut-être avoir besoin de lui. Voilà, je trouve que franchement, c'est plutôt réussi. La couleur des cheveux, c'est plus roux, mais j'en ai pas trouvé. Hein. Au fait, je l'ai trouvé à la foire fouille, genre 6 euros. Je l'ai coupée hein, parce qu'elle n'était pas aussi courte. J'ai dû mettre des barrettes parce qu'elle était trop épaisse. Mes yeux, bah, j'ai laissé bleu, je vais pas mettre des lentilles. Hein. En plus, je crois que enfin, il vaut mieux éviter. La esperanza es como el domino, una vez que uno cae, los otros siguen. Et ouais, je suis plutôt contente. Hein. Ça ressemble assez. Oh, je sens que je vais cailler. Je me suis mis à un gilet. Je voulais vous dire un truc, mais je sais plus. Ouais, je peine hein, avec mes yeux quand j'ai pas mes lunettes. Oh, Eric va me prêter. C'est quoi en fait ça? C'est une fosse, hein. Attention. Dis donc, il y a de la poussière. On va y arriver, hein. Oui, c'est Airsoft. Ah, d'accord. Si on me voit comme ça en train de faire des photos avec ça, je peux me faire arrêter ou pas? Oui. C'est vrai? Parce qu'il faut. Bien sûr. Ah bon? Et je te filme. Ouais. Tu sors de derrière la colonne et tu vas derrière l'autre colonne. Bah si. Je voudrais une photo comme la couverture. C'est pas évident, hein, je vous ai dit que chaque voiture on se cache parce qu'avec l'arme je suis pas à l'aise. Je crois que c'est bon, enfin, j'espère. On va rentrer, je vais regarder un petit peu les rushs. On va cacher ça quand même. Oups. On est rentré, j'ai hâte d'enlever ça, ça me gêne. Il est 1h15, donc je me montre ça pendant que je vais faire le montage pour pas perdre de temps. Petite salade, je crois que c'est salade niçoise, un peu comme ça. Je vous explique ce qui s'est passé, parce que là il doit être 5h30. Je me suis mise à ravisionner toutes les prises qu'Eric a faites, je souligne, pour me rendre compte qu'en fait, les prises en extérieur. À chaque fois qu'il fallait filmer, il filmait pas. Et à chaque fois que c'était en off et qu'on parlait entre nous et tout, il filmait. Donc on voit des pieds qui bougent, des trucs. J'ai quelques éléments. Donc vous avez vu ma transformation à la vidéo d'hier. Le peu de prise, c'est ce que j'ai pu prendre, ce qui restait. Mais je suis dégoûtée. Donc ça m'a pris un temps fou pour faire le montage, trouver des musiques. Bref, j'adore quand c'est Eric qui filme. Chaque fois, il y a des surprises. Et le truc, c'est qu'en fait, je l'ai mis en format 16/9e cinémascope. Voilà. Et c'est peut-être ça. Peut-être qu'il croyait qu'il appuyait. J'en sais rien. Bon. Ce vlog va être très très long. Je me suis. Bah non, je me suis pas encore démaquillée. J'ai la peau qui tire. J'ai les cheveux tout pas beau avec cette perruque. Elle gratte, hein, franchement. Et pareil, donc je vous ai dit pour la perruque. La combi, pareil, si ça vous intéresse. Foire fouille, un peu plus cher, 19 euros. Pas du tout ajusté, c'est une taille M beaucoup trop grande. Et pour ce qui est du reste. Oh bah, vous avez vu le masque, il y avait que ça, c'est Anonymous et c'est pas du tout Dali, mais il n'y en avait pas. Donc je trouvais que ça faisait à peu près le job. Voilà, donc là il est dans 20 minutes, ma vidéo va apparaître. Je sais pas ce que vous allez en penser, on verra bien. Et je vais ranger un petit peu tout parce que je me suis étalée, j'ai mis des fringues partout, j'ai du make-up partout. Vous voyez, ça ressemble à ça. Il y en a partout. Là, c'est où je me suis maquillée. Là, c'est où j'ai fait très vite pour me déshabiller. Mais c'est pas tout. Bah non. Là, il y a eu un petit dérapage, pareil. Bon. On ne t'a pas vu, maman. Elle a même pas eu le temps. Hein? T'as fait que dodo. Il est de plus en plus beau, plus doux, de plus en plus blanc. Et je pense que ça vient des croquettes que je lui donne. Oh, t'es énervée. Oh, il est énervé. Moi, je te laisse. Regardez. Avant que j'oublie. Franchement, ça rend super bien. Le petit renne, là. Il est très, très beau. Je suis contente. C'est vraiment sa place. Hein. C'est hyper harmonieux. Regardez. Ah, je suis fan. Et je vous montre un truc. J'ai reçu ça ce matin. Donc, j'ai vraiment pas eu le temps. Vu que j'étais en tournage. C'est avec Octoly. Je l'ai reçu gratuitement. C'est la marque Whoop. Case,
J'avais craqué dessus parce que tu as la possibilité d'avoir plusieurs coques personnalisées. Et je regrette. Elle est très très belle, hein. Elle est magnifique. Mais au début, je partais pour transparente avec le nom de ma chaîne écrit là, en noir. Ça c'est trop bien. Et je sais pas, au dernier moment, j'ai dit non. J'ai dit à Eric, il me dit, bah, ça aurait fait bien. Bah, je vais voir si je peux pas avec avec la marque, le commander. Et en fait, bah, moi, j'ai le Huawei P30 Pro. Donc, en fonction de ton modèle, tu demandes. Et bah, de toute façon, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Je suis très contente. Elle est pas vraiment de circonstance. Ça fait vraiment summer, mais... Qu'est-ce que c'est joli. J'en ai marre de voir cette robe de chambre. Je pense que je vais en prendre une nouvelle parce qu'elle commence à être de plus en plus délavée. Et voilà, j'en veux une. J'en ai vu des sympas d'ailleurs, je crois, chez Leclerc. Ils en font des cools. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça. Si, parce que je me vois en caméra et bah, elle m'énerve. Elle commence à m'agacer en termes de couleur. Ça aussi, ça m'agace. Ses cheveux tout... Mais c'est même pas qu'ils sont gras, normalement ils sont propres, mais avec la perruque, je sais pas, ça les a comme graissés. Mais j'ai complètement oublié de vous dire l'essentiel, mon gâteau, parce que tout le monde s'est foutu de moi. Ok, non pas tout le monde, je rigole. Mais franchement, c'était un des meilleurs gâteaux que j'ai pu manger. C'est exactement le goût que j'attendais, c'est tellement bon parce qu'en fait, on a la coque croquante, donc ça croque, on a la banane qui fond. Et on a le sablé. Non, mais je vais le refaire. C'est délicieux. Alors, je vous l'accorde, la forme, c'est pas hyper glamour, mais il faudrait que je trouve une forme différente qui, quand même, permette de mettre une banane en entier. Donc, est-ce qu'il faut pas que je mette plus carré plutôt que la forme banane? Peut-être rectangulaire comme ça. Ça serait peut-être mieux, je sais pas. Mais je vais le refaire. Et franchement, si vous aimez cette association, faites-le également. Vraiment, faites-le. Sur ce, je monte me démaquiller. Oui, nous ne sommes toujours pas passés à la déchetterie. Pendant que je vous montre ça, franchement, la prescription, parce que là, par exemple, c'est deux produits, la prescription lab de ce mois-ci, je vous en ai pas parlé, je ne vous l'ai même pas présenté parce que je vous ai dit, je l'ai reçue beaucoup trop tard. Elle est mes canons. Il y a tout un ensemble, en fait, pour des soins visage. Mais là, c'est juste dingue. Vraiment, s'il y a une box à prendre ce mois-ci, c'est bien la prescription lab. Je valide à 100%. Bon, je vous fais vraiment la vue d'ensemble parce que je suis en train de me faire poser mon masque sur le visage. D'ailleurs, ma peau est en train de me remercier. Mais voilà, quand je vous dis qu'elle est canon, c'est que des full size. Bon, à part le petit truc là et puis ça. Mais on a une huile de visage, un gommage, une lotion, la crème qui est très très bonne, nourrissante. Mais carrément, je la laisse poser le soir en plus en couche épaisse. Ça, c'est des petits galets sauna pour le visage, très bien quand on est enrhumé. La boîte magnifique en collab avec l'hôtel Normandie de Deauville. Et voilà, je vous dis, si vraiment ce mois-ci vous voulez vous faire un cadeau, ou faire un cadeau, même pour Noël, tiens, c'est celle-là qu'il faut. Me voilà prête, toute démaquillée. J'ai fait un soin, ça fait du bien, j'ai le visage enfin qui ne tire plus. J'ai regardé un peu vos commentaires parce que ça va faire 2 heures là que ma vidéo est en ligne. Par contre, j'ai les yeux explosés, j'ai mis trop de produits à force de me maquiller, de me redémaquiller, ça me pique. Oui, donc je disais que j'ai regardé un peu vos commentaires concernant donc la vidéo et... Ne vous inquiétez pas, c'est pas le genre de vidéo que je vais faire au quotidien. C'est juste que de temps en temps, bah, on a envie de varier. Enfin, je parle au nom de tout le monde. Faire du vlog, j'adore ça. Mais j'aime aussi faire d'autres choses. Et ça permet déjà que moi, je ne me lasse pas. Et puis pour vous, vous apportez d'autres petites choses. Mais concernant tout ce qui est déco, je vous ai dit, il y a plein de vidéos déco qui arrivent. J'ai plein de choses qui doivent donc arriver. Je vais avoir des vlogs déco, je vais avoir des vidéos dédiées déco, des éléments, des trucs. Je suis quasiment certaine que ça va vous intéresser. Et n'oubliez pas qu'on a aussi toute la pièce à faire, papier peint, tout redécoré. Donc voilà, ça c'est le genre de truc qui va me prendre pas mal de temps. Mais encore une fois, voilà, on ne peut pas plaire à tout le monde. J'ai envie de temps en temps de faire des vidéos un petit peu qui changent. C'est tout. Je vais clôturer parce qu'il est 19h58. Je vais grignoter. J'ai quasiment pas... Bah, j'ai mangé ma petite salade et puis c'est tout. Un gâteau et voilà. Donc ce soir, je vais essayer de me rattraper quand même. Et bah, je vous dis à demain pour le prochain vlog. Ça va? Allez, salut.